Nous avons, dans la journée d'aujourd'hui, deux jeunes mineurs de plus de 16 ans qui ont été, à l'issue de leur garde à vue, présentés au juge d'instruction et mis en examen pour leur participation à l'incendie volontaire de la synagogue du quartier de Bagatelle et qui, à l'issue de leur interrogatoire de première comparution, ont été placés en détention l'un et l'autre conformément aux réquisitions du parquet. Alors ils ont été placés en détention pour dégradation volontaire par l'effet d'une substance explosive ou d'un incendie avec la circonstance aggravante d'avoir agi à l'égard d'un bien en tenant compte de l'appartenance des propriétaires ou des utilisateurs de ce bien, en l'occurrence cette synagogue, à une religion ou une race déterminée. C'est une qualification importante parce que ça fait passer les faits, cette affaire, d'un cadre correctionnel à un cadre criminel. Au vu des éléments de l'enquête et au stade actuel de la procédure, de l'information judiciaire, il n'est pas possible de faire correspondre cet acte à une idéologie un tant soit peu construite de la part de ces jeunes.